Ouais, l'équipe, aujourd'hui, c'est pour la vidéo, c'est pour parler du match 3 OM qui se termine sur le score de 2-0 pour l'OM. Donc, je suis très content. Voilà. J'ai vraiment apprécié l'OM hier soir. Franchement, ils m'ont fait kiffer. Certes, il y avait 3, c'était rien, mais voilà. J'ai vraiment apprécié les regarder jouer. Ils ont mouillé le maillot jusqu'à la fin. Donc, voilà, ça fait plaisir. Donc l'OM devait gagner impérativement ce soir pour prendre de l'avance sur Rennes, Monaco, etc. Et pour se rapprocher de Lens aussi. Sachant que Lens a fait match nul hier soir contre Strasbourg 2-2. Donc ils ont pris 4 points. Donc là, Lens qui ont 41 points et nous on est derrière eux avec 39 points. Donc je me dis que cette deuxième place est encore jouable si on continue cette lancée. Cette deuxième place et jouable. Voilà, la saison est loin d'être finie. Voilà, c'est encore jouable, hein, la deuxième place. Donc voilà, je vais vous parler du match. Donc, on les a dominés, hein, franchement, malgré un petit réveil de 3 en fin de première période, on les a pas vus du match, franchement. Parce qu'on les a dominés aussi. Voilà, donc on les a dominés depuis les bons matchs. Donc à la 9e minute, il y a eu un corner de Under, joué à deux avec Jordan Veretout. Le centre de Veretout, Guendouzi qui l'a mis en arrière. Et Mbemba, essentiel. Mbemba, encore lui qui vient la mettre au fond de la tête à la 10e minute. Devant le parquage marseillais en plus, donc voilà. On avait l'impression de jouer à domicile hier soir, tellement qu'on n'entendait que nous. Ça devient une habitude, hein. C'est pas pour rien qu'on dit partout c'est chez nous, enfin, toujours au top. Donc on ouvre le score, 10e minute, là, je suis content, là, je crie de joie. C'est ce qu'il fallait faire pour se mettre dans le bain. Donc voilà, 1-0 aux 10e minute. Et puis après ce premier but, on voit que l'OM a envie. Voilà. Ils ont envie d'en finir. Ils ont envie de les tuer, quoi. Ça se voit qu'ils. C'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs. C'est que. Voilà, on n'a pas lâché. Hein. 1-0, on n'a pas lâché. On n'a pas eu de réussite sur certaines occasions. Mais voilà. Franchement, j'ai apprécié regarder l'OM hier soir, franchement. Donc, voilà. Après, il y a eu un petit réveil en fin de première période de 3. Mais bon, on a su bien défendre. Donc, 1-0 à la mi-temps. Donc je me dis attention quand même, hein, parce que quand j'ai vu le réveil de 3 en fin de première période, je me suis dit ah attention, ils peuvent revenir, il faut mettre rapidement ce deuxième but pour se mettre à l'abri. C'est ce qu'on a fait dès le retour des vestiaires à la 46e minute. Ça n'a pas réfléchi, à parler, c'est ce qui donne le coup d'envoi. Balerdi qui met une grosse passe sur Mbemba. Mbemba qui met sur Kabore, Kabore qui file, qui met sur Under, petite talonnade pour Under. Under, t'étais incroyable hier soir, t'étais injouable, t'étais partout hier soir, attaque, milieu de terrain, défense, t'étais partout. Voilà, c'est comme ça qu'on t'aime, Under, tu vois, et t'as prouvé à Tudor que ta place était titulaire indiscutable. Voilà. Tu l'as encore, ça fait 3 matchs d'affilée que tu me déçois pas. Franchement, continue comme ça parce que quand on te voit comme ça, il te manquait juste le petit but. Et tout qui te la met, tu la mets au-dessus. Mais voilà, si justement tu aurais pu mettre ce but, je pense que bah, c'était mérité ton but. Voilà. Dommage que tu as payé ton but, mais voilà. Hier soir, tu étais injouable. Franchement, faut le dire. Donc continue comme ça, franchement. Donc voilà, Under crochet, centre d'Under. Et qui est là, Veretout pour la mettre au fond des filets. Ça fait 2-0 pour l'OM à la 46e minute. Dès le retour des vestiaires, l'OM qui ne blague pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on aime notre Olympique de Marseille. Voilà, tout simplement. 2-0, 46e, je me dis c'est bon. Tranquille, si on peut mettre un petit 3e pour le fun, ce serait impeccable.
Donc voilà, moi je me dis 2-0, en plus on défend bien et tout, là c'est bon, c'est nickel, ils reviendront pas. Donc voilà, je me dis là je peux faire entrer Malinowski, tranquille, voilà. Même d'autres joueurs. Donc Malinowski qui est rentré à la 68e minute. Malinowski, quelle entrée que tu nous as fait. Malgré ta faute et ton carton, franchement ton entrée, elle a fait du bien à l'équipe. Déjà que sans toi, l'équipe, elle était incroyable. Mais alors avec toi, ce que tu as apporté en plus, c'était incroyable. Donc Malinowski, qui a failli être passeur décisif pour Sanchez. Voilà, dommage pour lui, mais voilà. Sanchez aussi, j'en ai parlé hier soir, pratiquement à tous les matchs. Hein. T'es partout. T'es incroyable, Sanchez. Voilà. Tu défends, t'es en attaque. Enfin, t'es incroyable. Voilà, dommage que tu ne marques pas souvent parce que t'as pas de bon ballon, mais voilà. T'es incroyable, Sanchez. Donc, voilà. 2-0, 3 points de prix. On se rapproche un peu plus de Lens. Donc voilà, si seulement on pouvait prendre la deuxième place à Lens, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que franchement, là, on est sur une belle lancée de 5 victoires consécutives en Ligue 1. 6 victoires, toutes compétitions confondues. Donc si seulement on pouvait leur shipper cette deuxième place. En plus, voilà, on est un peu amis hein, entre Lensois et Marseillais. Mais après, on va pas se mentir que Lens mérite cette deuxième place aussi parce que Lens nous fait une saison incroyable. Voilà. Même si j'aimerais bien que mon club, l'OM, prenne la deuxième place à Lens, mais voilà, Lens la mérite aussi cette deuxième place. Donc voilà, impeccable, 3 points de prix, tranquillement. Voilà, les joueurs ils sont pas fatigués. Enfin, ils sont fatigués, mais je veux dire, ils sont allés tranquilles, sans forcer. On a mis ces 2 buts, on a pris ces 3 points tranquilles. Voilà. Prochain match samedi à la maison contre Lorient. En espérant continuer sur cette lancée. Il n'y a pas de raison, on est chez nous, normalement, contre Lorient, sans sous-estimer Lorient. Hein. Normalement, on devrait avoir les 3 points. Voilà. Mais bon, attention quand même, parce que rien n'est fait. Il peut y avoir des surprises, surtout avec l'OM, on s'attend à tout en ce moment. Mais voilà. En tout cas, je suis plutôt optimiste pour la suite. En espérant que ça continue. Donc voilà. Je ferme cette partie match pour vous parler d'un transfert qui pourrait se réaliser prochainement. Aston Villa serait sur Matteo Guendouzi. Là, je vous fais le visage blasé. Voilà. Parce que tout simplement, si on perd vraiment Guendouzi, je m'en remettrai pas. Voilà. Hier soir, il a encore été un monstre. Voilà. Passeur décisif pour Mbemba. Voilà. Donc, si on perd Guendouzi, pendant une semaine, pas en parler, tu vois ce que je te dis. Pendant une semaine, tu me parles pas. Si on perd Guendouzi, tu me parles pas. Tu peux me parler au prochain match. Hein, et encore. Parce que sans Guendouzi, ça ferait bizarre. L'équipe sans Guendouzi. Je ne vois pas l'équipe sans Guendouzi. C'est le trois poumons, ce mec. Il est partout. Il te récupère des ballons. Que aucun milieu, à part Seko Fofana, mais que aucun milieu de terrain peuvent récupérer, sauf Seko Fofana. Voilà. Donc, les gars, faites pas les cons. Quand je dis les gars, je parle de loin, moi. Les gars, faites pas les cons. Je sais pas. Moi, Guendouzi, je le vends pour 70 millions. Voilà, j'assume. 70 millions il part, pas moins, pas plus, 70 millions il part. Parce que là, ce serait vraiment une anarque, hein, parce qu'Aston Villa serait prêt à poser 25 millions ou alors 30 millions sur Guendouzi. Moi non, je le vends soit 60 millions, au pire des cas,
60 millions, 70 millions. Voilà. Bah, sérieux, les gars. Pas plus. Parce qu'après, ça serait un petit peu abusé. Et 60 millions, 70 millions, ça serait le prix juste hein, pour Guendouzi. Parce que quand on voit les matchs qu'il nous fait, tu libères pas un joueur comme ça à 10 millions. Je suis désolé. Hein. Voilà, donc moi, je veux Guendouzi. Si vraiment il part, je le vends pour 70 millions. Voilà. Je pense que pour Longoria, c'est la même exemple que moi. Et après, je sais pas. Mais pour moi, je me répète, hein, mais 70 millions. Voilà, Aston Villa, si tu as les moyens de poser 70 millions, tu les poses. Sinon, ça dégage. Guendouzi reste chez nous, tu vois. Parce que tu as vu, j'aime pas les clubs qui sont là à chercher à prendre des joueurs. On te dit un prix que les chipotes avec un million en moins, un million en plus. Non, frérot, le prix, c'est le prix. Tu veux Guendouzi? Tu poses 70 millions? C'est pas 25 millions, 30 millions, 4 millions, 50 millions, 60 millions, non, 70, au pire des cas, 60 millions. Voilà. Mais voilà, je suis un peu énervé quand je vois ça parce que Guendouzi, il doit pas quitter l'OM. Il a l'OM dans le sang depuis qu'il est arrivé, il a l'OM dans le sang, il a ça. Ses veines maintenant, c'est bleu et blanc. Je les vois pas porter d'autres couleurs. Mais bon, on verra. Mais franchement, les gars, si vraiment Guendouzi part, on va le regretter. Et après, vous reviendrez vers moi. Ah ouais, t'avais raison. Si on perd Guendouzi, on va le regretter. Je vous le dis. Peut-être qu'on gagnera des matchs, que l'équipe elle sera solide ou quoi. Mais ce sera pas pareil. L'équipe elle sentira qu'il manque un joueur. Et ce joueur, ce sera Matteo Guendouzi. Bon les gars, après rien n'est fait, hein. Guendouzi actuellement il est encore à Marseille. Rien n'est fait. Hein. À voir par la suite, mais franchement, ça serait vraiment une grosse erreur de le vendre. Pour moi, c'est quoi tu fais comme sur FIFA? Dommage qu'on peut pas faire ça. En réalité, dommage qu'on peut pas faire ça. Tu fais comme sur FIFA. Tu fais bloquer offre sur Guendouzi et voilà, t'es sûr qu'il reste chez nous. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Si j'ai plus d'informations, je vous le dis. Donc voilà, moi je vais vous quitter là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, ça va être un pouce bleu. À vous abonner, activer la cloche, commenter, partager. C'est moi, je dis ciao et allez l'OM.